Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Le ciel est disposé en ta faveur. Tu fais bien de prier. Le ciel est disposé en ta faveur. Tu fais bien de prier. Le ciel est disposé en ta faveur. Le ciel est disposé en ta faveur. Dans le nom de Jésus. 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 Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. 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 Hosanna e. Hosanna e. Yekele kele. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Yekele kele. Yekele. Maîtrisez les accords, maîtrisez les accords. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Yekele kele. Yekele kele. Ngai na lali na butu. Anja bimelingae, alobi nangae, nzambazali nangae, ozanae, ozanae, yekele kele, yekele kele, ozanani mambo, ozanani ma, yekele kele, yekele kele. Papa butuwe inzi, bato bake ikolala, gana ba genou nase, nazo tumbola Yesu, Hosanna e, Hosanna e, yekele kele, yekele kele, kasi Hosanna ni mambo, Hosanna ni mambo. Yekele kele, yekele kele, ya ya, tongo itani, soso azali kolela, gana ba genou nase, nazo tumbola yo, Hosanna e, Hosanna e, yekele kele, yekele kele, Hosanna ni mambo. Hosanna ni ma, yekele kele, yekele kele. Hosanna ni mambo, Hosanna ni ma, yekele kele, yekele kele. Hosanna ni mambo, Hosanna ni ma. Est-ce qu'on peut couler? Yekele kele. Yekele kele. Hosanna ni mambo. Hosanna ni ma. Yekele kele. Yekele kele. Hosanna ni mambo.
Yekele kele. Yekele kele. Samu isabando ki a famille. Ba prince de Perse. Yekele kele. Yekele kele. Koi sabi kuke a famille. Papa tole liye. Yekele kele. Yekele kele. Tombola bilongi na biso we. Papa tole liye. Yekele kele. Yekele kele. Naina lali na butu. Anja bimelinga. Allo binanga. Zamba zali nangae. Papa butu e indi. Batoba ke ikolale. Ganaba genou nase. Nazo tumbola Yesu. Ozane. Ozane. Hosanna, 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 Hosanna ni mambo, Hosanna ni mambo, yekele kele, yekele kele. Je vois le Seigneur accorder des grandes victoires à quelqu'un ce soir. Je vois le Dieu des anges accorder des grandes victoires à quelqu'un ce soir. Je vois le Dieu des anges accorder des grandes victoires à quelqu'un ce soir. Peu importe le puits dans lequel on t'avait jeté, peu importe la profondeur de la fosse dans laquelle on t'avait mise, je viens t'annoncer que Dieu va te sortir de cette fosse. Je parle à un Joseph ce soir. Je parle à un Joseph ce soir. Même si on t'a déjà jeté dans la citerne, ce n'est pas encore la fin tant que Dieu n'a pas dit que c'est la fin. Je parle à un Joseph ce soir. Même si tu es déjà dans l'obscurité de la citerne et que tu n'arrives plus à voir la lumière, ce n'est pas la fin tant que Dieu n'a pas dit que c'est la fin. Je parle à un Jonas ce soir. Même si ça fait 3 jours que tu es dans le ventre du poisson et que tu as l'impression que c'est le séjour des morts, vous savez, pendant 3 jours, Jonas ne savait pas qu'il était dans le ventre d'un poisson. Il était convaincu qu'il était déjà mort. Il était convaincu que c'était déjà fini. Jusqu'à ce que le 3e jour, le poisson le crache sur le rivage de Ninive. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur suscite une délivrance pour toi. Je disais que le Seigneur suscite une délivrance pour toi. Que le Seigneur suscite une délivrance pour toi. Au nom de... Acclame le Seigneur là où tu es. Prends ta Bible avec moi directement. Dans Genèse 31. Genèse 31, le verset 17 à 35. On va faire une longue lecture, je vais très peu parler. Et ensuite nous allons prier. Genèse 31, le verset 17 à 35. Combien croient en la délivrance et en la libération de leur famille ce soir? Est-ce que vous y êtes? Si vous y êtes, on va lire ensemble. Oui, pasteur Gédéon. Genèse 31, à partir du verset 17 jusqu'à 35, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Jacob s'éleva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, les troupeaux qui lui appartenaient, qu'il avait acquis à Bad-Aram. Et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis,
Rachel déroba les téraphimes de son père. Yes. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il s'éleva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Le verset 22. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit sept journées de marche. Oui. L'atteignit à la montagne de Galaad. Oui. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. Il l'atteignit à la montagne de Galaad. Mais Dieu apparut en songe à Laban, l'araméen. Il lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? My God. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Oui. Verset 31. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Est-ce que tu sens ça? Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Oui. Rachel avait pris les téraphimes, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et il ne trouva rien. Et dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis m'élever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphimes. Amen. Il chercha et ne trouva point les téraphimes. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur alors que tu te rassois? Ce soir, nous sommes dans un grand soir, dans une grande soirée de délivrance et de libération. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Pendant quelques minutes, j'aimerais parler avec toi et on va prier ensemble. Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier? Quelqu'un est venu prier ce soir? La dernière fois, je t'ai parlé de changer le destin d'une famille. Et je t'ai parlé de David. Je ne saurais pas entrer dans ce que j'ai dit. Parce que je cours derrière le temps. Il faut que l'on prie et que l'on travaille. Alléluia. Mais le texte que nous venons de lire ce soir est une histoire de délivrance. Est une histoire de libération. Laban avait gardé Jacob pendant plus de 20 ans chez lui. Dans la souffrance et dans beaucoup de choses compliquées. Si vous lisez le même texte plus bas, Jacob explique combien il a souffert chez Laban. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui apparaît et décide de lui dire, sors et pars d'ici, pas, rentre chez toi. C'est la révélation de Dieu de cette nuit-là qui provoque la délivrance et la libération de Jacob et de toute sa famille. Souvent pour provoquer la libération de ta famille, tu as besoin d'une révélation de Dieu qui te fait entrer dans une saison de délivrance.
Mais tant qu'il n'y a pas eu de révélation de Dieu, très souvent la délivrance tarde à arriver. Parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'affranchissement ne vient que lorsqu'on entre en contact avec une vérité particulière. Ton amen est arrivé ici. Je déclare ce soir que tu entres en contact avec la vérité de la parole de Dieu. Que tu entres en contact avec la vérité de la déclaration qui sortira de ma bouche. Et que ta famille tout entière se retrouve libérée et délivrée au nom de Jésus. Ton amen n'est pas arrivé. Dis avec moi, avance et j'avance. Alléluia. Et lorsqu'ils sortent de chez Laban, après 20 ans de torture, Jacob ne sort pas seul. Mais il sort de là avec toute sa famille, avec tous ses biens, avec tout ce qui lui appartient. Je décrète et je déclare, la délivrance que Dieu te donne sera une délivrance qui ne sera pas simplement pour toi, mais qui s'étendra à ta femme, à tes enfants, à tes parents, aux parents de tes parents, à tes cousins. Que Dieu ne te libère pas seulement toi, mais qu'il prenne et toi et ta famille. Oh, ton amen n'est pas arrivé. Il a dit à ce geôlier, je parle de Paul. Il a regardé le geôlier, il lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pas simplement toi, mais toi et toute ta famille. Je prie que tu reçoives une délivrance qui ne sera pas seulement personnelle, mais une délivrance qui devient familiale. Une libération qui devient familiale. Alors que je parle, je vois des prisons s'ouvrir. Alors que je parle, je vois une prison s'ouvrir. Ah oui, alors que je parle, je vois une prison s'ouvrir. Et je vois une famille entière en train de sortir. Et le nom de cette famille commence par la lettre L. Dieu me dit, il vient de délivrer ta famille ce soir. Au nom de... Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que le jour où ils reçoivent leur délivrance et qu'ils sont en train de réunir leurs biens pour fuir, Rachel vole les théraphimes de son père, les idoles, les statuettes de son père. Beaucoup de familles ont des problèmes parce que la délivrance est venue. Mais dans la délivrance, les gens ont gardé certaines choses qui reviennent les réclamer plus tard. Rachel garde quelque chose de dangereux avec elle, qui fera en sorte que c'est la première motivation pour laquelle Laban les poursuit. Laban ne les poursuit pas d'abord pour autre chose. Si Laban les poursuit, c'est parce qu'on a volé ses dieux. Beaucoup de familles ont des problèmes de jusqu'à ce jour, des réclamations jusqu'à ce jour, parce que les gens se sont convertis, mais ils ont gardé les idoles de Laban, ils ont gardé les théraphimes de Laban, ils ont gardé certaines choses de la coutume qui viennent créer des réclamations et des problèmes. Ils ont gardé certaines choses avec eux. Ils ont gardé certains péchés dans leur vie. Vous êtes délivrés. Mais parmi vous, il y a toujours quelqu'un qui va chez un féticheur. Vous êtes sauvés. Mais parmi vous, il y a toujours quelqu'un qui croit en des choses. Si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Qui fait en sorte que le Laban auprès duquel vous avez fui vous poursuit finalement. Parce que il y a, ce n'est pas tout le monde, mais une seule Rachel. Parfois, de la même manière que la délivrance d'une famille vient par une personne comme David, de la même manière, parfois les problèmes d'une famille viennent aussi par une seule personne comme Rachel. La mort est entrée dans le monde à cause d'un seul homme, Adam.
Et la vie et le salut est aussi entré dans le monde à cause d'un seul homme, Jésus. À combien plus forte raison juste pour une petite famille? Une seule personne est capable de jeter le trouble dans une famille. Le jour où ils sont allés combattre contre cette grande ville de Jéricho, et que Dieu leur a dit ne prenez rien. Le problème, c'est qu'il y avait un Nakan qui lui avait récupéré quelque chose. Et le jour où ils partent combattre une petite ville haïe, ils échouent et ils perdent. Les enfants d'Israël sont étonnés. Ils disent, comment est-ce qu'on peut avoir la défaite? C'est juste parce que quelqu'un avait récupéré les instruments de l'ennemi. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi en utilisant ses armes. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi en ayant en toi ce qui lui appartient. C'est pour cela que Jésus a dit, le prince de ce monde vient et il n'y a rien de lui en moi. C'est parce qu'il n'y a rien de lui en moi que je peux le vaincre. Qu'est-ce qui est resté dans votre famille qui n'a rien à voir avec Dieu? Quelle est l'atmosphère que vous créez dans la maison quand vous mettez ces musiques profanes là? Et ensuite vous allez vous étonner que certains esprits reviennent. Mais parce que la musique que vous mettez les attire. Écoute-moi, la musique est la seule chose qui ne demande pas ton autorisation pour atteindre ton esprit. Dès que ça joue, tu as déjà entendu. C'est déjà entré. Maintenant, toi, tu m'attends au soir. C'est quel genre de musique qui joue? Et quel genre d'esprits sont attirés par ce genre de musique? Si l'Éternel siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple, quel est l'esprit qui siège au milieu de la musique que vous mettez chez vous? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est parfois ça le problème. Toi-même, tu crées une atmosphère propice pour les démons que tu veux chasser. Hein? Hein? Dis avec moi, avance, prophète. Dis avec moi, avance, prophète. Et Josué regarde Akan. Il lui dit, pourquoi est-ce que tu as jeté le trouble en Israël? Une seule personne, à cause de son erreur, a jeté le trouble dans toute une nation. Je prie dans le nom de Jésus. Partout le trouble était entré dans ta famille, à cause d'une personne, à cause d'un parent, à cause d'un grand-parent, à cause de toi-même, à cause d'un frère ou d'une sœur. Je prie que Dieu fasse une incision chirurgicale et qu'il retire le trouble de ta famille. Je dis qu'il retire le trouble de ta famille. Au nom de... Ton amen n'est pas arrivé. Alléluia. Et il s'enfuit avec ce qui lui appartient. Écoute-moi. Ce soir, je vois des gens qui vont s'enfuir. Je disais, je vois des gens s'enfuir ce soir. Et la Bible dit que lorsqu'il s'est enfui, il n'a pas prévenu Laban. On ne prévient pas de tout, on n'annonce pas toute chose. Beaucoup de tes problèmes, c'est parce que tu préviens de tout. Tu n'as aucun secret dans ta vie.
Écoute-moi, la force d'une nation, c'est dans les secrets qu'elle garde. Une fois qu'elle ne sait plus garder son, ses secrets, et que les espions des autres nations peuvent accéder à leurs secrets, la nation est devenue faible. La force d'un homme, c'est dans les secrets qu'il possède. La force d'un ministère, c'est dans les secrets que ce ministère a. Parce qu'il n'y a pas de ministère sans mystère. Quand tu es un homme de Dieu, qu'on te comprend de A à Z, tu as perdu quelque chose. Tu dois rester un mystère quelque part. On ne comprend pas certaines choses. C'est comme ça que les gens doivent spéculer. Ils doivent raconter. Parce que tellement qu'ils ne comprennent pas, alors ils inventent leur propre histoire. Il fuit et il ne prévient pas Laban. Je sens que les sorciers de ta famille ne seront pas au courant que tu n'es plus sous ce joug-là. Ils vont juste constater que tu n'es plus dans leur prison. Ils vont juste constater que tu n'es plus dans la prison de, du divorce. Tu n'es plus dans la prison de la sorcellerie. Tu n'es plus dans la prison du célibat. Tu n'es plus dans la prison de la maladie. Tu n'es plus dans la prison du chômage. Tu n'es plus dans la prison de la pauvreté. Que des prisons souffrent ce soir. Ils resteront endormis. Quand les prisons se sont ouvertes, les geôliers dormaient encore. Ce n'est que le lendemain matin qu'ils ont constaté que Pierre n'était plus là. Écoute-moi, ta délivrance, il y a des délivrances qui se font avec du bruit. Mais il y a des délivrances qui se font, personne n'est au courant. On constate juste qu'on avait dit que tu ne prospéreras pas. Et tu es déjà en train de compter 1 million en banque. On se pose la question, quand est-ce que c'est arrivé? Peu importe la méthode que Dieu choisira, j'ordonne que ta délivrance vienne ce soir. Que la délivrance de ta famille vienne ce soir. Au nom de Jésus, il est parti et il a pris tout ce qu'il possédait. Je refuse ce genre de conversion où tu te convertis et puis tu n'es plus intelligent. L'intelligence est restée de l'autre côté. Depuis que tu es chrétien, l'argent est resté. Tu as perdu l'argent. C'est aussi un problème. Écoute-moi. Les enfants d'Israël n'ont pas été délivrés seuls. Lorsque Pharaon leur a dit, ok, vous pouvez partir, partez vous-même, laissez le bétail, laissez tout. Moïse a dit, non, on ne laisse rien. On ne laisse rien. Hommes de Dieu, ils ont refusé. Elle dit, si on doit partir, on part avec tout ce qui nous appartient. Si on doit sortir, je sors avec ma famille. Je sors avec mes finances. Je sors avec mon mariage. Je sors avec mon mari. Je sors avec ma femme. Je sors avec mes affaires. Oh, je refuse que tu sois un chrétien qui, quand il pense qu'à l'époque où il était païen, c'était meilleur. Parce que depuis que tu as été sauvé, c'est comme si les choses sont restées. Dieu n'a pas dit ça, vous avez gagné ça en Égypte, donc c'est impur, laissez ça en Égypte. Dieu n'a pas dit non, 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 c'est la terre de l'Égypte qui vous a donné ça. Laissez ça là-bas. Dieu a dit,
papa, prenez tout par terre avec. C'est votre sueur qui vous a donné ça. Je décrète et je déclare, ta délivrance ne sera pas une délivrance singulière. Dieu te délivre avec tout ce qui t'appartient. Dieu te délivre avec ton intelligence. Ma soeur, tu ne vas pas être délivré et puis tu n'es plus belle. Dieu te délivre avec ta beauté. Tu ne vas pas être délivré et puis tu n'as plus de charme. Dieu te délivre, tu gardes ton charme. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici devant. J'ai l'impression que je ne parle pas aux femmes parce qu'elles m'écoutent, elles sont assises en train de... Dieu te délivre, tu as toujours l'aspect. Tu as toujours la démarche. Tu as tout haut. Qui t'a dit que tu dois être délivré puis tu deviens bizarre? Tu dois être sauvé puis tu commences à puer. Tu dois être sauvé puis tu deviens compliqué. Dieu te délivre avec la beauté que lui-même t'avait donnée. Ton amen n'est pas arrivé. Je lève ma main droite et je déclare que tout ce qui t'appartient subisse la même délivrance que toi. Et que partout où on avait emprisonné ce qui était à toi, que cela te soit rendu. Partout là où étaient restées les choses qui étaient à toi, si c'était resté chez Laban, je déclare que cela te soit rendu. Je dis que cela te soit rendu au nom de... Dis avec moi, avance prophète. J'ai envie de déclarer quelque chose. J'ai envie de déclarer quelque chose. Que s'il est faux que les Laban viennent te déposer les choses que tu as oubliées. Je prophétise sur 16 personnes. Dans les 6 prochains jours, Dieu me dit de te dire que tout ce que tu avais perdu, on est en train de te le rendre. Dans les 6... Où sont les 16 personnes? Je dis, dans les 6 prochains jours, tout ce que tu avais perdu, ah, Dieu me dit, ça vient de monter à 25. Tout ce que tu avais perdu, que l'on te le rende, qu'on vienne te le déposer, qu'on vienne te le donner au nom de... Oh, depuis que je me suis converti, telle chose ne marche plus. Je déclare que ça va marcher maintenant. Depuis que j'ai commencé à prier, je touchais l'argent, je ne touche plus l'argent. Je déclare que tu vas toucher l'argent fois 500, fois 10 000, fois 1000. La qualité de ton amen n'est pas à la hauteur des choses que j'annonce. Alléluia. Et la Bible déclare, au verset 23, le troisième jour en annonçant à Laban que Jacob s'était enfui, il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galaad. Le problème que plusieurs ont, c'est qu'ils ont fui de chez Laban. Mais Laban les a rattrapés en route. Ça a pris 7 jours. C'est-à-dire, le premier jour, ils se sont dit, on est sauvés. Le deuxième jour, ils se sont dit, heureusement. Le troisième, ils ont dit, en tout cas, gloire à Dieu. Jusqu'à ce que le septième jour, ils voient Laban les rattraper. Il y a des choses que ta famille avait oubliées il y a 20 ans. Mais vous avez l'impression de revivre les mêmes scènes actuellement. Il y a des familles en ce lieu. Quelque chose qui ne se faisait plus chez vous il y a longtemps. Vous avez l'impression que les mêmes scènes commencent à revenir. Parce que Laban vous a rattrapé. Il y a des frères et des sœurs. Des choses que tu avais fouies depuis longtemps. Tu as l'impression que ça a réussi à te rattraper. Le problème de Jacob, c'est qu'il avait fui Laban sans vaincre Laban. Ce que tu fuis sans l'avoir vaincu, continue donc d'avoir des pieds pour te rattraper. Voilà pourquoi même Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, c'était bien, ils chantaient déjà. Mais en cours de route, ils ont vu l'armée de Pharaon en train de les rattraper.
Parce que tout ce que tu fuis sans l'avoir vaincu finira par te rattraper. Tout ce que tu fuis sans l'avoir dominé, sans l'avoir neutralisé, sans l'avoir détruit, finira par te rattraper. Il y a des gens qui pensent que s'ils voyagent, les problèmes là qu'il avait en famille vont s'arrêter. 10 ans après l'avoir voyagé, la même situation qui avait atteint son père le rattrape. La distance n'est pas ce qui te donnera la délivrance. C'est la victoire qui donne la délivrance. Le temps ne donne pas la délivrance, mais c'est la victoire dans le temps qui donne la délivrance. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps que ça t'est arrivé que ça n'arrivera plus, mais c'est parce que tu as vaincu ça que ça n'arrivera plus. Jacob avait fui, mais il n'avait pas vaincu Laban. Lisez vos Bibles. Ce n'est pas le jour où ils sont sortis de l'Égypte que Dieu leur a dit: les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Parce qu'ils les ont vus après. Mais c'est le jour où Dieu avait prévu de faire entrer les Égyptiens dans la mer Rouge qu'il leur a dit: maintenant les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Parce que le seul Égyptien que tu ne verras plus, c'est l'Égyptien que tu as vaincu. Le seul célibat que tu ne verras plus, c'est le célibat que tu as vaincu, pas que tu as fui. La seule pauvreté que tu ne verras plus, c'est la pauvreté que tu as vaincue et non pas la pauvreté que tu as fui. Je lève ma main droite. Je dis: je lève ma main droite. Je repasse, je lève ma main droite. Et je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te donne la victoire sur les choses que tu avais fui hier. Que Dieu te donne la victoire sur les choses qui t'ont rattrapé. Que Dieu te donne de vaincre. Le jour où la mer Rouge s'est ouverte, quelques minutes avant, c'est là qu'il dit à Moïse: Moïse, j'ai un plan. Le plan que je n'ai pas un plan de fuite, c'est un plan de victoire. Les Égyptiens que vous voyez là, il n'y a plus un seul d'entre eux que vous reverrez. Plus un seul. Plus un seul. Tu es en train de posséder la victoire sur les choses que tu pensais avoir faites. Chacune des choses qui ont rattrapé tes enfants, qui ont rattrapé les enfants de tes enfants, tu es en train de posséder la victoire sur cela. Chacune chacun des problèmes de ta famille qui ont rattrapé ta destinée, tu es en train d'obtenir la victoire sur cela. Je vois une famille ce soir saisir la victoire. Lorsqu'il les rattrape, constater quelque chose de bizarre, il les rattrape à la montagne. Or la montagne représente même la présence de Dieu. C'est ainsi qu'il y a des gens, ils viennent à l'église mais avec des problèmes, mais avec des réclamations. Tu es à la montagne, mais la montagne t'a quand même rattrapé. Mais la bonne nouvelle, que comme c'est à la montagne, le Dieu de la montagne apparaîtra à Laban. Oh my God. Oh my God. La Bible déclare que Joseph, Jacob a dressé ses tentes sur la montagne d'un côté. Laban lui aussi dresse ses tentes sur l'autre côté de la montagne. Écoute-moi, sur cette montagne ce soir, il y aura un combat et une victoire qui sera décernée. Heureusement qu'on est à la montagne et nous ne sommes pas à Galaad, nous sommes sur la terre sainte. Je décrète et je déclare que même si Laban a dressé ses tentes à côté, que le Dieu de ton père, que le Dieu de mes pères, que mon Dieu lui apparaisse ce soir. Il lui dit: ne parle pas à Jacob. Donc, même parler, ton combat ne sera plus ton combat, ça devient le combat de Dieu. Il lui dit: ne parle pas à Jacob ni en bien
ni en mal. C'est-à-dire le Laban qui venait avec fougue de tuer Jacob. Le matin, quand ils doivent se rencontrer, Laban est en train de veiller sur ses mots. Baba Jacob, ceux qui t'ont menacé hier reviendront en train de veiller sur leurs mots, de veiller sur leurs paroles, parce que ton Dieu leur apparaîtra, le Dieu que je sers leur apparaîtra. Il leur dira: ne parle pas, donne-moi ton nom, donne-moi ton nom, donne-moi ton nom, donne-moi ton nom, donne-moi ton nom. C'est quoi? Donne-moi. Tira, ne parle pas à innocent, ni en bien, ni en mal. Dis, et Laban part, il vient. Là-bas. Dis: d'accord, je ne peux plus rien te faire. Mais j'ai encore un pouvoir. C'est de récupérer ce qui est à moi. Ça, au moins, ça ne t'appartient pas. Et c'était ça le danger. C'est que malgré que Dieu était déjà apparu, Laban dit: pourquoi alors tu as pris mes dieux? Remets-moi mes dieux. Jacob dit: il n'y a personne ici qui a pris tes dieux. Personne ici n'a pris ce qui t'appartient. Il ne savait pas, dit la Bible, que Rachel avait volé cela. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux sur ce que tu ne sais pas. Que Dieu t'ouvre les yeux sur ce qui se passe dans ta famille que tu ignores. Que Dieu t'ouvre les yeux sur les cérémonies bizarres qui ont lieu dans ta famille, mais que tu ne vois pas. Que Dieu t'ouvre les yeux sur les complots qu'il y a contre toi, mais que tu ne vois pas. Que Dieu t'ouvre les yeux. Qu'il te fasse savoir où se cachent les téraphimes, où se cachent les idoles, où se cachent les choses que tu essayes de vaincre. Je vous ai parlé de ces choses. Parfois vous avez besoin de connaître l'origine des choses pour saisir une vraie délivrance. Cette nuit, Dieu te parlera en songe. Oh, ton amen n'est pas arrivé. Je ne dis pas ça pour te faire plaire. Je suis en train de le déclarer comme prophète. Cette nuit, que le Dieu qui voit toutes choses t'apparaisse en songe. Qu'il te montre les choses en songe. Qu'il te parle dans un songe. Qu'il t'éclaire par un songe. Dans le nom de Jésus. Et Jacob regarde et il dit: que périsse la personne qui a pris le téraphim. Il libère une parole, ne sachant pas qu'il y avait des conséquences. Rachel en vient demander où sont les téraphim. Elle se cache. Que partout où est caché ce qui provoque le trouble dans votre maison, que ces choses sortent de leur cachette. Je déclare que cette semaine, il y a des gens qui viendront avouer chez vous. Je ne sais pas à qui je parle. Cette semaine ici, certains même avant le dimanche, d'autres dans la semaine qui commence, les gens viendront avouer que les Rachel qui cachent les téraphimes, qui cachent ce qui crée le trouble, viennent avouer l'origine de ces troubles. Que celui qui se cache derrière ton malheur vienne avouer. Je dis qu'il vienne avouer. Je dis qu'il vienne avouer. Au nom d'eux, je leur commande par l'autorité apostolique et prophétique, je commande à leur bouche de parler, je commande à leur esprit de parler, je commande à leur bouche de s'ouvrir au nom de Jésus. Un homme de Dieu était dans un culte quelque part. Et il parlait contre la sorcellerie. Tellement que les gens ne prenaient de la blague. Il a dit: tous les sorciers qui sont ici ne pourront pas se lever à la fin du culte. À la fin du culte, on voit seulement des gens qui sont restés assis. Bon, non, écoute-moi.
Je commande, je décrète et je déclare. Que Dieu te donne de localiser tout ce qui était caché et qui apportait le mal dans ta maison. Ton amen n'est pas arrivé. Si c'est ton propre péché le problème, que Dieu te le montre. Et arrête déjà ce péché. Si c'est déjà un péché, c'est déjà un problème. Arrête ça, quoi. Est-ce que je parle aux gens? Est-ce que je parle à des hommes? Je viens de voir quelque chose dans mon esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je viens de voir Dieu en train d'apporter une grande délivrance. Je voyais des cadenas en train de se briser parce qu'il refusait de s'ouvrir. J'ai vu quelqu'un qui avait une clé qui essayait d'ouvrir un cadenas. Il ouvre, il ouvre, ça refuse. Et au final, il brise le cadenas et ça se brise. S'il n'accepte pas la manière douce, la manière forte les fera plier. Je dis la manière forte le fera plier. Qui m'a donné le plus grand amen? Et en fait, je suis en train d'attendre que Dieu me donne une confirmation. Parce que Dieu est en train de me, l'Esprit est en train de me parler de quelque chose de dangereux que l'on risque de faire. Un programme dangereux que l'on risque d'avoir. Mais j'attends encore que Dieu me confirme. Est-ce que quelqu'un sait que Bethel, c'est la semaine prochaine? Et nous serons avec l'archevêque Dieu donné Kaleta ici, à la maison. Dis avec moi, avance, prophète. Et c'est ainsi que Rachel est morte en cours de route plus tard sans que personne ne la tue. Elle est morte en cours de route sans voir la gloire de Joseph, sans voir grandir Benjamin, parce que Jacob avait dit que celui qui a les théraphim meurt. Ce n'est pas parce que ils ont l'impression que ton Dieu n'a rien fait qu'il n'a rien fait. Tu vois les paroles que je libère ici? Toi, tu as l'impression que c'est rien. Tu vas rentrer à la maison, tu dors, tu lis, la journée continue. Mais il y a une Rachel quelque part qui va subir les conséquences. Il y a des gens ce soir, eux seront mal à l'aise pendant que toi tu dormiras calmement. À moins que je ne sois pas prophète de l'Éternel et que ma bouche ne soit pas une bouche autorisée de la part de Dieu. Mais si l'onction est passée sur ma tête et que si l'huile demeure dans ma bouche, je commande dans le nom de Jésus que Dieu frappe tous ceux qui dans le ténèbre travaillent contre toi. Dans le nom puissant de Jésus, je dis dans le nom puissant de Jésus, saisis ta délivrance et ta libération. Je dis saisis ta délivrance et ta libération. Lève-toi là où tu es, commence à battre des mains et de prier. Commence à battre des mains et prie, 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 prie. Les mains et sois en train de prier. Sois en train de prier. Sois en train de déclarer la victoire. La victoire dans ta famille. Dis à Dieu Père. Dis à Dieu Père. Que tous ceux qui me poursuivaient échouent. Donne-moi la victoire sur les choses qui me poursuivent. Les choses qui me poursuivent saisonnièrement. Les choses qui poursuivent ma famille saisonnièrement. On pensait qu'on avait échappé au problème que ma famille vivait, au problème que les parents avaient. Mais on constate que ça nous a suivi. Dis à Dieu Père, donne-nous la victoire sur les choses qui essayent de nous poursuivre. Sois en train de battre des mains et de prier. Le Père Bagasia, Wampaya Badakase, Le Paya Badakia.
Pasteur Bellamy, où est le micro? Prie. Omba. Il y a des victoires que tu es en train de recevoir. Il y a des victoires que tu es en train de recevoir. Il y a des chaînes qui vont se briser. Il y a des prisons qui vont souffrir. Pendant que je parle, le monde spirituel est en mouvement. Le monde spirituel est en ébullition. Quand tu parles, les chaînes se brisent. Quand tu ordonnes, je deviens libre. Parle-moi, Seigneur. Et quand tu parles, les chaînes se brisent. Quand tu ordonnes, je deviens libre. Je serai libre. Juste une parole, je serai délivré. Parle-moi, Seigneur. Bado Shakaya, Baraba, Sosonobo Shayaba Aya. Dis juste un mot, je serai libre. Juste une parole, je serai délivré. Hey, Abba, parle-moi, Seigneur. Dis juste un mot, je serai libre. Juste une parole, je serai délivré. Parle-moi, Seigneur.
Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Yes. Parle, Seigneur. Et quand tu parles, je serai libre. Quand tu entends, je sors de prison. Parle-moi, Seigneur. Et Kabaya. Et Kabaya, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Juste un mot, je serai libre. Juste une parole, je serai délivré. Parle-moi, Seigneur. Juste un mot, je serai libre. Juste une parole, je serai délivré. Parle-moi, Seigneur. Que mes prisons s'ouvrent ce soir. Que mes chaînes tombent ce soir. Que la prison s'ouvre ce soir. Que les chaînes tombent ce soir. Que la prison s'ouvre ce soir. Et Abashadabaya. Si tu es un membre de famille, rejoins-le là où il est. Si tu es un membre de famille qui est ici, rejoignez-vous. Soyez en famille si vous êtes en famille. Rejoignez-vous si vous êtes séparés, rejoignez-vous. Si tu es un membre de famille, rejoins-le là où il est. Rejoins-le là où il est. Quand tu ordonnes, je suis délivré. Parle-moi, Seigneur. Juste un mot, je serai libre. Juste une parole, je serai délivré. Parle-moi, Seigneur. Et quand tu parles, je deviens libre. Quand tu ordonnes, je suis libéré. Parle-moi. Tenez-vous juste à la main. Commencez à prier. Demandez à Dieu une libération totale. Pour les cas qui ont traîné. Pour les situations qui ont entraîné. Demandez une libération. Rejoignez votre membre de famille. Soyez en train de prier. Il y a quelque chose qui va se produire. Maintenant même. Ça va tomber directement dans les familles. Si tu n'as pas de membre de famille, ne t'inquiète pas. Nous sommes ta famille, je suis ta famille. Quelque chose se passe alors que tu pries. Quelque chose se produit alors que Regarde.
Sakata. Edebaba, Shadabaya. Dis juste un mot, je serai libre. Juste une parole, je serai délivré. Parle, parle. Parle-moi, Seigneur. Prie encore une minute, juste un mot. Je serai libre. Juste une parole. Je serai délivré. Parle, parle, parle. Parle-moi, Seigneur. Seigneur, ne doutez pas sur ma famille. Ne doutez pas pour ma délivrance. Parle, 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 mon Seigneur. Ton ciel se déchire. Je vois des lianes en train de se briser. Yes. Et pendant que je suis en train de parler, yes, l'Esprit de Dieu vient de me faire comprendre, yes, qu'il y a 8 personnes ce soir, yes, que Dieu vient de libérer, yes, d'un problème qui dérangeait leur trempe, leur organe génital. Ce sont des femmes. C'est 8 femmes. Dans leur famille existe des réclamations de stérilité. Existe des réclamations d'avortement involontaire. De fausse couche. Je vois des liens qu'on avait mis sur les hanches des gens en train de se délier. En train de se délier. Et pendant que je parle, certaines d'entre elles seront touchées par la puissance de Dieu là où elles sont. Et leur délivrance sera totale au moment où je parle. Je décrète et déclare maintenant. Reçois cela là où tu es et là où tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Recevez cela. Dieu me dit de vous dire. Ce soir est en train de commencer une nouvelle histoire dans ta famille. Viens. Parce que pendant que je suis en train de parler, Dieu me vient de me montrer un retard que Satan avait introduit chez vous. De telle sorte que les gens peuvent vivre des choses mais en retard. Ça doit prendre beaucoup de temps avant d'arriver. Dieu me dit de te dire ce soir, il vient d'introduire une accélération surnaturelle dans ta vie. Et à partir de toi, toute ta famille en bénéficiera. Cet esprit de retard qui était déjà dans ta vie, qui retardait les choses que tu attendais, parce que je voyais dans une vision, tu es devant la montre, tu es en train d'attendre, mais depuis que tu attends, ça n'arrive pas. Dieu me dit de te dire, les choses que tu attendais qui ne venaient pas vont désormais venir vers toi. Je déclare cela aussi pour toi. Je déclare cela aussi pour toi. Je déclare cela aussi pour toi. L'Esprit de Dieu m'avait pris. J'arrive. Et l'Esprit de Dieu m'a conduit vers Mumba. Lorsque j'arrive vers Mumba, aux alentours de là où se trouvent les maisons là de l'ISP, la venue qui entre juste après, il y a quelqu'un, tu es ici, soit tu as habité là-bas, soit il y a des gens de ta famille qui sont encore jusque là, jusqu'à présent de ce côté là, et même peut-être que tu y vis encore. Si c'est toi, tu viens vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Acclame le Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un d'autre? S'il y a quelqu'un d'autre, j'ai pas de problème. Tu as vécu là-bas? Tu as vécu de ce côté? Oui, depuis 2000. La venue là qui entre juste à côté de là où il y a les maisons. M'abrache. J'arrive. Nakocha. J'arrive. Nakocha. J'arrive. Nakocha. C'est de quel côté? N'ingambogat.
les maisons de l'ISP. Quand on entre là, jeune homme rentre, c'est elle que je cherche. Parce que je me suis retrouvé en vision sur cette avenue. Et pendant que je parle, je viens de continuer la vision. Je vois des chaussures qu'on a déjà déposées. Devant quelque part où on n'a pas clôturé, on n'avait pas encore clôturé avec un mur, mais il y avait comme des arbres devant. Tu vois? Est-ce que je peux parler ou que je laisse? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu sais, quand j'étais vu en route, je savais que j'allais commencer par toi. Et quand je suis entré au bureau, Dieu m'a dit, tu commences avec elle. Lui, il n'est que comme Saül qui a la royauté, mais ce n'était pas à lui, c'était à Judas. Mais Dieu me dit de te dire, la faveur et la grâce de Dieu viennent de localiser votre maison. Et les choses qui avaient été faites là-bas à l'époque, Dieu est en train de détruire et d'annuler cela. Parce qu'à l'époque, il y a un deuil qui avait été fait là-bas. Tu te rappelles, c'est après ce deuil que les gens ont dû partir. C'est que je dis est vrai, n'est-ce pas? Parce que la personne est morte. Et c'était à cause de cette personne que les gens habitaient là-bas. Et malheureusement, après le deuil, il fallait partir. Mais quelque chose était arrivé le jour du deuil. Pourquoi est-ce que j'ai vu des sandales, des babouches et des choses que les gens ont enlevées? Le jour du deuil, il y a un groupe de personnes qui sont arrivées. Ils ne sont pas entrés avec leurs babouches et leurs chaussures. Ils ont laissé ça à l'extérieur. Et ils sont entrés les pieds nus. C'est le jour où ces personnes venaient de faire entrer une malédiction de pauvreté dans votre famille. Je décrète et je déclare. Peu importe comment la malédiction est entrée, elle va sortir au nom de Jésus. Elle va sortir par la méthode suprême du nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et l'Esprit de Dieu me dit de te dire, c'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, même là où vous vivez, vous ne comprenez pas, vous pouvez juste être là. Il y a une mauvaise odeur. Et on ne sait pas d'où vient la mauvaise odeur. On cherche, on ne trouve pas d'où vient la mauvaise odeur. Vous pouvez chercher, et ça peut faire 3 jours pour ça disparaît. Et ensuite, à un moment, pouf, ça revient encore. Je vois. Avance, papa. Oh my God. Je déclare que Dieu t'apporte la délivrance. Je déclare toi là-bas que Dieu t'apporte aussi. Que Dieu t'apporte une libération totale et complète. Maintenant, Dieu me prend et m'amène maintenant là où vous êtes. Là où vous êtes, je suis dans une chambre là où on a déjà mis un rideau de couleur noire. Et l'Esprit de Dieu est en train de m'expliquer qu'il y a une grande délivrance qui vient de tomber là chez vous à la maison. Écoute-moi. Tu vois la sœur qui vient de balancer la main avec les lunettes. Dieu me dit de te dire, il y a une gloire qui vient dans ta vie. Mais cette gloire va se manifester après le mois de juillet. Et elle va commencer par la personne qui est née le 25. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est qui? Pardon? Je n'entends pas. Le c'est micro. Il y a quelqu'un qui est né le 25 chez vous. C'est à partir de cette personne-là que Dieu est en train de commencer une grande visitation dans votre famille. Et personne ne sera en mesure d'arrêter cela. Pendant que je reviens ici, je suis en train de voir. Il y a déjà un matelas. C'est le matelas. C'est la personne qui dort sur ce matelas-là que Dieu est en train de visiter. Il est un peu comme jaune. Il est déjà un peu abîmé d'un côté. Il n'a pas d'accord. Tu vois, non? Ce que je dis est vrai. C'est qui dort là-bas? Ton petit frère. Dieu me dit de te dire, va annoncer. Quand tu arrives, pose ta main sur lui. Prie pour lui. Et annonce que la mort ne viendra pas le réclamer. Oh mon Dieu.
Je décrète et je déclare. Je suis en direct. Je décrète et je déclare que la visitation de Dieu quitte d'ici et aille jusqu'à Londres et apporte une délivrance à quelqu'un qui me suit en direct. Et les choses qui ont dérangé la fille de Papa Gary ne reviendront plus. Qui est lié à un Papa Gary? Je vois Gary. Dieu me dit, il y a une grande délivrance qui vient d'entrer à des gens, dans la famille des gens liés à un nom comme Papa Gary, quelque chose comme ça. Papa, je dois terminer avec vous ce que j'avais commencé. Vous êtes là en famille, la famille est là. Tenez-vous la main. Parce que Dieu me dit maintenant la saison de restauration est venue. C'est une restauration spirituelle, financière et matérielle. Elle sera totale et elle sera complète. Dieu me dit de vous dire, il va commencer cela. Il va aller avec jusqu'au mois de décembre. Quand décembre, on sera en train de célébrer l'anniversaire de quelqu'un. Dieu aura aussi fini d'accomplir ce qu'il doit accomplir. C'est qui est né en décembre? Pardon? La fille est née. Elle s'appelle comment? Pardon? Marthe. Lorsque vous serez en train de célébrer l'anniversaire de Marthe, Dieu aura fini de faire ce qu'il faisait. Et les réclamations qui vous poursuivaient. Parce que lorsque j'étais en train de parler, des choses qui n'étaient pas là, on pensait avoir vaincu, mais qui sont venus plus tard. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment dans votre famille. Des choses qu'on avait oubliées depuis longtemps, d'un coup comme ça commence encore à revenir. Dieu me dit de vous dire, vous avez la victoire sur ces choses aujourd'hui et maintenant. Il y a même quelqu'un que Satan avait voulu attaquer par la folie. La personne commençait à avoir tout le temps des troubles. Et même des pertes de mémoire. Dieu me dit de vous dire, ça ne reviendra plus. Parce qu'à cause de votre présence ici, Dieu est en train de sceller et de confirmer votre victoire. Tenez-vous juste la main. Père, dans le nom de Jésus, je libère sur eux le pouvoir et la puissance de la libération et de la délivrance. Et que toute réclamation qui reviennent après des années soient vaincus dans le nom de Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tous les noms, sous cette onction prophétique et apostolique, je relâche cela en leur faveur. Ils vont monter et ils ne redescendront pas dans le nom de Jésus. Barabasa. Il y a quelqu'un, tu es ici dans ta famille, il y a beaucoup de pécheurs. Il y a des gens qui étaient des pêcheurs. Vous venez d'une famille où les gens pêchaient beaucoup. Tu es où? Ne traîne pas, n'hésite pas. Parce que sinon tu rates. Si c'est toi, tu viens. Vous venez d'une famille où les gens avaient l'habitude de faire l'activité de la pêche. Même actuellement, il y a ceux qui le font encore. Que ce soit des oncles éloignés ou je ne sais pas. Si tu sais, toi tu viens. Dieu ne m'a jamais menti. Si tu rêves, c'est toi qui rates ta visitation. C'est toi qui rates ta bénédiction et ta visitation. Et moi je continue. Parce que Dieu m'a demandé de prier pour des gens. Des gens qui vont recevoir le pouvoir de libérer toute leur famille. Je vais prier pour des gens qui vont recevoir non simplement leur propre délivrance, mais aussi la délivrance pour toute la famille. Pendant qu'on est en train de parler, Dieu me dit de te dire, il vient de réouvrir le domaine professionnel. Et la limite qu'on vous avait imposée dans le domaine professionnel, Dieu est en train d'enlever cette limite parce que Dieu veut que vous montiez encore plus haut. Parce que Dieu me fait comprendre. Je vois quelqu'un qui avait eu, tu avais des visions à l'époque, mais tu as dû t'adapter à la vie.
et faire ce qui se présentait à toi. Mais Dieu me dit de vous dire aujourd'hui même, il est en train de réaccomplir les projets de vos cœurs, de votre cœur. Et tout ce qu'on avait interdit dans votre vie, Dieu est en train de les emmener by fire, by force. Je dis by fire, by force, Dieu est en train de les emmener. Je décrète et je déclare que Dieu t'accorde la faveur, que Dieu t'accorde la grâce. Mais ce soir, nous sommes en train de briser une malédiction. Une malédiction. Parce que pendant que je te parlais, j'ai vu le livre de Jérémie. Et Dieu m'a fait comprendre. De la même manière que c'était un prophète qui annonçait parfois des malheurs. Il y a une malédiction que des gens avaient eu à prononcer dans ta famille qui sont encore en train de planer. Mais ce soir, Dieu est en train d'apporter une grande libération. Une grande libération. Pendant qu'elle reçoit cela, toi aussi tu reçois si tu dis amen. Pendant qu'elle reçoit cela, toi aussi tu reçois si tu dis amen. Toi aussi tu reçois si tu dis amen. Je relâche ce soir sur toi la faveur et la grâce de Dieu. Lève-toi, on va faire une prière pendant 2 minutes et on part. On va faire une prière pendant 2 minutes et on part. Lève-toi là où tu es. Et je serai en train de passer. Je vais prier pour certaines personnes que Dieu m'a dit. Si tu as apporté ton enveloppe avec toi, on vient avec avant qu'on ne prie. Tu avais pris une enveloppe le mardi. Tu l'as apporté, viens et reste devant avec ton enveloppe. Reste devant. Viens avec. Reste avec devant. Reste avec. Tiens cela, je vais prier. Viens. Reste. Ezelebo Shanea Balobrandaski Balobrandaski Balobrandaski. Avance avec cela. Si tu n'avais pas pris d'enveloppe, tu lèves la main, tu prends une enveloppe, tu mets et puis tu viens. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ces hommes et ces femmes. Je décrète et je déclare que ceux qui sont en train de déposer comme un sacrifice soit un sacrifice de triomphe familial, soit un sacrifice qui change le destin de leur famille, que le destin d'une famille soit transformé, qu'un destin de malheur et de perte, qu'un destin d'échec et de souffrance soit changé en un destin de gloire, en un destin de sûreté, en un destin de vie, au nom de Jésus-Christ. Dépose cela. Tu peux aussi prendre ton offrande et venir juste la déposer sur l'autel et tu te connectes à la même chose. Tu peux juste prendre une offrande, tu viens, tu déposes, tu te connectes à la même chose. Fais-le. Maintenant, alors que tu es debout, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Père, donne-moi la capacité d'aller plus loin que les membres de ma famille. Partout là où ma famille s'était arrêtée, que moi je ne m'arrête pas là-bas. Partout là où mes parents s'étaient arrêtés, que moi je ne m'arrête pas là-bas. Que moi j'aille plus loin. Et lève ta voix alors que tu bats des mains et commence à invoquer. Et lève ta voix, lève ta voix. Inua sauti yako, inua sauti yako. Piga mikono na huko naomba, piga mikono na huko naomba. Piga mikono na huko naomba. Inua sauti yako, piga mikono na huko naomba. Ebanola malaria, paradia
Rabada la Maria da la Made, Pali Kondo Palia Pararia Vale, Okana Masakata la Maria Vale, Roda Malava Shana Rabane Rebea, Parukana la Masia Kondo Roboya, Elabala la Makurava Senere Bolavane, La Parado la Valazia Noloba Caravane, Epalando Rabasakato Rubaradia, Ola Mandala Makuravania Valene Rebede. O palana la bakura manea, esa nulo paragi nulo valia manera. O palana la bashaka tarabadere, o palania pareka payada. Eka nama sekete bele bele, o la parando sokoto palia. E la mandara basekete rebone bele. O palania la sola la bakaraba, e lo mandala baria valea. O kando sa palia darabaya, o la baria bele bele bele. Donne-moi d'aller plus loin que ma famille. Donne-moi d'aller plus loin que mes parents. Donne-moi d'aller plus loin que mes oncles. Donne-moi d'aller plus loin. Rabashanabaya. Ola Makarabasanalabaya. Ola Marianalabasaka de Berebea. O Parakata Senerebea. Ola Manala Makarabaya. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Que toutes les limitations qui étaient dans ma vie, je les fais tomber. Les limitations, je les fais tomber. Et à partir de ce soir, je commence à aller plus loin. Je commence à aller plus loin. Là où mes parents s'étaient limités, moi j'ai franchi les limites. Là où mes oncles s'étaient arrêtés, moi j'ai franchi les limites. Là où mes parents se sont arrêtés, moi j'ai franchi les limites. Je fais tomber 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 les limites. Wakamana la bakarabaya. Et palana la basekerebea. Oh la mana la paradiame, oh sakato pereba, la mana la bakaraba, brise les limites, brise les limites, brise les limites, wakamanda bashaka paria, et la parana basereve, mana la bakorabade, oh la basaka pariaba, mana la bashekerebe, oh la zimana payake, periga, 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 wana la bashaka paria, et la mireve de le peria. Soma karaba kadabai, ekanaba karabade. Walabaya na laba shaka pariabaya. Palada raba kandebea, palakando la pariabaya. Palakanderebedeba, lo paradia sedelebea. Lo parakandabalia, lo samanele periaba. Lo kandele bale shanaba, parakia parakia palegelegelege. Pelaba shana la pariabedeba, pelakia madura peria. Celia Peria de Levera, Jamaka Pera Diabe, Losama la Peria, Chequemera Peria, Baba Shakadaba. Yes, yes. Je commande maintenant, yes. À Amour Sasaïvi, à tout pouvoir de réclamation de perdre le contrôle. Amen. À tout pouvoir de réclamation de perdre le contrôle. Amen. Tu sais, pendant que tu es là, on a toujours quatre quoi pour. Dieu est en train de me dire, il vient de faire grâce à quelqu'un d'aller au-delà d'être assistant et de monter encore plus haut. Parce que tel que tu es, tu avais toujours eu à cœur d'avoir une très grande carrière dans le cursus académique. Tu voulais aller le plus loin possible. Dieu me dit de te dire, tu ne t'arrêteras pas simplement à devenir assistant. Au-delà de cela, tu continueras de monter encore et encore. Parce que j'ai en face de moi un futur professeur d'université. Mais Dieu me dit de te dire, garde ces choses dans ton cœur et bats-toi pour cela. Parce qu'il y a une forte grâce qui va t'accompagner avec ça. Ne perds pas cela. Tu as la facilité de beaucoup écrire. Tu es quelqu'un qui écrit beaucoup de nature. Tu es un penseur. Tu aimes penser et écrire. Dieu me dit de te dire, garde ces choses précieusement. Tu comprendras la valeur de cela plus tard. Je te vois sortir des livres et des livres. Et Dieu me dit de te dire, même déjà là où tu es déjà un projet de livre. Ce que je dis est vrai. Dieu me dit, ne t'inquiète pas, ces choses vont se faire. Et Dieu te donnera de sortir des best-sellers. Je déclare que la même grâce vienne aussi de ton côté. Amen. Je dis que la même grâce vienne aussi de ton côté. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ.
personne ne réussira à t'arrêter par sa décision. Parce qu'il y a une décision qui est en train de planer sur ta vie en ce moment même, que Dieu est en train de changer. Tu es même au courant qu'il y a déjà une mauvaise décision qui avait été prise pour essayer de te bloquer et de te limiter. Ce que je dis est vrai. On t'a informé de ces choses le week-end passé. C'était un samedi aux alentours de 19h qu'on venait de te donner la nouvelle. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui assistait à une réunion où on avait cité ton nom. Mais Dieu m'a dit de te dire, ne t'inquiète pas. On est en train d'annuler cette mauvaise décision à ton égard. Je décrète et déclare que Dieu travaille pour toi. Je dis que Dieu travaille pour toi. Je dis que Dieu travaille pour toi. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Rassieds-toi là où tu es. Pendant une minute, rassieds-toi là où tu es. Combien ont été bénis ce soir? Dieu m'a dit, dans les temps qui arrivent, on aura tout un mois juste pour la délivrance de famille. Ce ne sera pas tous les jours, ce sera juste nos jours de culte. Ce sera juste nos jours de culte. Et nous serons concentrés seulement sur cela. Parce qu'il y a des familles que Dieu veut libérer totalement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps me manquerait de dire certaines choses ici, alors je ne vais pas prendre le temps. Je ne vais pas prendre le temps. M'abrace. Oh my God. Papa, Dieu est en train de récompenser votre travail. Dieu est en train de récompenser vos années de labeur. Il y a une forte récompense qui vient vers vous. C'est la première fois que je vous rencontre. Et Dieu est en train de me dire, le Dieu qui vous a appelé, le Dieu qui vous a parlé par beaucoup de songes, beaucoup de songes, Dieu me prend, il me ramène 25 ans en arrière. Je vois quelqu'un en train d'écrire des choses comme dans un carnet de songes. Vous aviez l'habitude de les écrire, mais avec le temps, c'est comme si cette faculté a été diminuée. C'est comme si vous avez perdu cette grâce. Mais Dieu est en train de me dire, après aujourd'hui, cette grâce-là revient dans votre vie. Elle revient chez vous et personne ne vous la ravira une fois de plus. Mais je vois Dieu en train de visiter pas simplement vous, mais quelqu'un qui est lié à vous, qui est vers le Maniema. Et Dieu me dit de vous dire, à cause de votre présence ici, tous ceux qui sont liés à vous sont en train d'obtenir une faveur de la part de Dieu. Mais le Dieu que vous avez servi et le Dieu qui vous avait promis une visitation entre 2020 et 2025, Dieu me dit de vous dire, cette visitation sera en train d'arriver dans cette année et dans l'année prochaine. Vous allez subir et vivre des faveurs de la part de Dieu, des grâces de la part de Dieu. Vous aviez déjà un projet que vous aviez établi parce que vous deviez faire voyager quelqu'un, mais malheureusement, lorsque le temps est passé, le projet n'a pas tenu et vous avez décidé d'attendre encore un peu. Dieu me dit de vous dire, ne vous inquiétez pas, parce que c'était son plan à lui de faire traîner ce projet-là. Mais dans très peu de temps, cette porte va se réouvrir. Et vous n'allez pas fournir beaucoup d'efforts. Vous venez de me donner envie de prophétiser parce que les choses que je commence à voir deviennent claires. Dieu me dit de vous dire, ce que l'on vous avait escroqué, il y a de cela 3 ans, Dieu est en train de vous rendre cela fois double. Parce qu'il y a des gens qui ont eu à vous donner un mauvais conseil, mais malheureusement, vous avez eu à mettre de l'argent dedans. Et malheureusement, vous n'avez pas reçu ce que vous étiez en train d'attendre. Et les choses avaient mal tourné. Dieu me dit de vous dire, je vois une porte se réouvrir et les choses qu'on avait volées en train de revenir multipliées. Dieu me dit, retenez ces choses. Mais retenez, c'est votre saison de récompense. Parce que je vois Dieu essuyer la sueur de quelqu'un. Le Seigneur vous aime et vous fait grâce. Mabra Dolasa, lève ta main là où tu es. Dis avec moi, Père, merci. C'est ma baba ça. Pour ta faveur et ta grâce. Jackie Balia Konanema. Je vois 5, je vois 9. Papa, vous avez.
Permettez que je pose la question. Actuellement, vous avez quel âge? Permettez-le. 56. Dieu me dit avant que vous n'atteigniez 59 ans. La faveur et la grâce de Dieu sera chez vous. Est-ce que vous comprenez ces choses? La faveur sera chez vous. Parce que vous vous étiez toujours dit, avant 60 ans, il y a des choses que je dois vivre. Et ça va se faire avant 59 ans. Pour que vous sachiez que c'était Dieu qui vous avait parlé. Demain, nous avons mariage ici. À partir de 13h.